Les lettres, la grande dame, elle parle comme ça. Là. Elles sont dans Guéret, elles la c'est Guéret, elles regardent. Elles sont braquées, on dit, elles sont. Oh, vraiment, vous jouez. Les gens n'ont plus le temps. Mais en même temps, quand ils regardent cette population, ce peuple-là, quand ils nous parlent de nom, parler de courant cher, cherté de la vie, quand tu les vois parler comme ça, ça te fait mal, quoi. Quand tu les vois souvent, et puis c'est eux qui pleurent. Moi, ça me fait rigoler. Tu peux pas te battre pour des personnes qui eux-mêmes n'ont même pas envie de lever le petit doigt pour faire quoi. C'est-à-dire que c'est aberrant, c'est malheureux, c'est bien dommage. Vous pouvez pas vouloir tout en même temps. Le beurre, l'argent du beurre, le papier du beurre là, il y a un nom. Tout, vous pouvez pas tout, c'est pas possible. C'est pas possible lui-même. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, la grande. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas être là. Vous êtes dans les amusements, dans les bêtises. Mais vous allez pleurer que courant a augmenté. Vous allez pleurer que vous mangez pas bien. Et que le sac de riz a augmenté. Mais vous passez votre temps de danser. Attends, regardez Guéret. Attends, danser si tu t'attends. Regardez Guéret seulement. C'est pas possible. Je vois à un moment donné arrêter. On est un peuple distrait. Et je vous dis, un jour, on va payer cash tout ce que nous faisons. Vous pensez que je rigole? Mais on est là. On est là, non? Faites capture de tout ce qu'on fait, si la toile là. Faites capture de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Un jour, vous allez voir, on va faire un bilan. La distraction dans quoi nous sommes là. Un jour, on va payer tout ça cash. Regardez! Vous pensez que c'est un jeu? Un jour, quand on dit l'Afrique va dominer le monde, l'Afrique va. Diaby, quand si quelqu'un dit ça, qui prête cette personne-là? Quoi, un jour, l'Afrique va dominer quel monde? Cette Afrique, ça là. Afrique. Afrique va dominer le monde. Vous faites rire. Hein. Vous faites rire. L'Afrique. L'Afrique rétrograde, mais. L'Afrique rétrograde, mais tu peux pas. Mais regardez un continent pareil. Parce que TikTok est arrivé, regardez. Regardez TikTok Afrique. Et puis tu es dessus du monde. C'est-à-dire que souvent tu es tellement dégoûté, tu veux qu'ils n'ont pas. Si on pouvait interdire TikTok même, regarde, aux Africains, je vous jure sur Dieu, l'Afrique se porterait mieux. C'est Afrique, ça là. Quand je regarde les gens disent ça, vous êtes des comédiens. Parce qu'on n'aide même pas les gens qui veulent que l'Afrique soit un jour un continent respecté et respectable pour demain. Il y a des gens qui luttent effectivement pour ça. Mais cette jeunesse perdue là, regardez. Cette jeunesse perdue là, qu'est-ce que la jeunesse à notre niveau on fait pour que l'Afrique avance? Qu'est-ce qu'on fait? Mais regarde tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout ce qui est dans notre tête mougouli. Tout le monde, femme comme garçon, c'est mougouli. Séduction, comment on va être beau, comment le garçon va être joli aujourd'hui pour traduire. Tu sais comment cette fille aujourd'hui s'est fait jazz pour séduire le garçon. C'est dans ça qu'on est, qu'on doume, dure si femme, les petits mouvements qu'on les sujets unis. Voici des trucs aujourd'hui qui nous préoccupent, on s'en fout du reste. C'est ça là. C'est quelle jeunesse même? Une jeunesse tout clos, il n'y a rien ici, on est. C'est bruit. Vous pensez que c'est parler blablabla là qu'on dit? Non! Tu quoi même? Quoi même? De quelle jeunesse vous parlez? Et puis quand vous êtes là souvent, non? Oui, durez si femme. Quand ils sont là, non? Non, les tontons n'ont qu'à laisser le pouvoir, ils n'ont qu'à donner le pouvoir à la nouvelle génération. Je ne parle même pas du parti au pouvoir simplement. On parle de toute la classe politique. C'est-à-dire que tant dans l'opposition que dans le parti au pouvoir. On dit à ces démenciers, à ces tontons de laisser le pouvoir à une nouvelle génération. Nanana. Mais regardons même de quelle génération on parle. Peut-être même après eux là, il y a encore des jeunes qui ont appris auprès d'eux. Eux là encore on peut comprendre. Mais après eux, c'est quelle génération qui s'y font? Cette génération aujourd'hui, TikTok, réseaux sociaux là, moi je crois pas. J'ai envie de voir ça un jour. Cette génération qu'on voit aujourd'hui en train de danser, en train de faire tout et n'importe quoi. Moi j'ai envie de voir ces élites là qui vont un jour gérer l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Moi j'ai envie de les voir. Parce qu'on ne gère pas un État avec des. Ceux-là, vous pensez que aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne regarde pas loin.
On regarde tout de suite maintenant ce que nous sommes en train de faire. Mais nos tontons n'ont pas passé l'être en train de danser. Ils ont bossé, ils ont étudié, ils se sont formés. Vous comprenez? Il y en a, ils sont partis à l'école, loin. Par contre, il y a d'autres qui sont allés un peu, mais après, ils ont fait des formations, mais tu peux pas. Vous comprenez? Allez regarder les curriculum vitae, vous allez voir comment ces tontons les sont chargés. Mais c'est cela, on a besoin des élites un jour pour gérer nos états. Vous pensez qu'on a besoin de proof quoi? Vous pensez qu'on a besoin des gens qui ont des comptes, qui ont des pages de 3 millions d'abonnés, de 4 millions d'abonnés. Vous pensez que c'est ceux-là qui ont géré un jour nos pays? On n'a pas besoin de ça pour gérer un État. On a besoin des élites, des gens qui ont des formations, qui ont des diplômes, qui ont l'agrégation en pharmacie et ils fabriquent comprimés. Vous pensez qu'on gère un État comme ça? Quand vous regardez cette jeunesse-là, aujourd'hui qui danse sur les réseaux sociaux seulement, qui sont dans les mouvements de tête simple, qui de tout cela en train de tourner dans le téléphone des femmes, les futurs députés maires. Les kikis là, c'est beaucoup dans le téléphone des moussos. Ceux là un jour, des moussos aussi, les mouvements, c'est tout pas. Cette jeunesse perdue là, vous pensez que c'est un mouvement? C'est cela, vous dites que le tonton n'a qu'à quitter cette génération là. C'est vrai, même si ce qu'on voit aujourd'hui là, après eux là, parce que les partis au pouvoir là, ils ont des jeunes comme les Amadou Touré et tout. Le parti de l'opposition là, ils ont des connexions, il y a tout cela. Donc ça veut dire que eux là, ils peuvent encore prendre le relais. Mais après eux là, ceux qui sont en train de venir derrière qui? Parce que normalement là, c'est nous demain qui devrons gérer ce pays là. Mais qui quand vous regardez, c'est qui? On passe notre temps en train de nous. On s'amuse seulement. On commande tout et n'importe quoi. Vous partez aujourd'hui ici un panel, ou bien vous partez voir un groupe, une page où ils ont mis, on met différents modèles de dessin. Tant. On dit les filles, quel est ton modèle de dessin? Moi, vous pensez que moi? Ou bien il y a vu un même hier là, ils ont mis les différentes tailles de kiki. Excusez-moi, les différentes tailles de kiki. 1, 2, 3. On dit les garçons, quelle est ta taille? Et puis vous voyez ce genre de choses là, ça prend. Tu vois les garçons qui viennent écrire, moi? Moi, j'ai joué à ces jeux là. Moi, je vote pas. Vous pensez que moi, sagesse, moi, j'ai venu écrire, moi, j'ai venu commenter ce genre de choses? Oh, vraiment. Vous rigolez quoi? Mais voici les trucs sur les réseaux sociaux que je vois. Et puis quand tu vois, ça donne. Ou bien on met les fesses, ta fesse, one, deux, trois, 10. On dit, les filles, quel est ton modèle? Et puis tout. Ça là aussi, on dit. Vous amusez à tout. Vous prenez tout pour vous amuser quoi. Ça là aussi, c'est amusement. Donc pour vous, on prend tout pour s'amuser. Crèche, merci beaucoup, on est ensemble. On prend tout pour s'amuser selon vous. Mais un jour, vous allez voir. Un jour, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Nous, on a eu à faire des bêtises par le passé qu'on regrette. Peut-être qu'un jour, ça peut nous rattraper. Mais bon, après, c'est pas aussi le truc, mais voilà. Vous comprenez? Mais il y a longtemps, on a pris conscience de beaucoup de choses. On ne gère pas un État avec page qui a 2 millions d'abonnés TikTok. On ne gère pas un État un jour parce que tu as de la visibilité. On a besoin des hommes d'État. C'est-à-dire que quand tu es un homme d'État, même depuis ton comportement jusqu'à ce que tu as dans ta tête. Vous comprenez? Ta personnalité. Après, maintenant, ils vont regarder maintenant ce que tu as. Il faut former des députés, des maires, des conseils, mais tous des sénateurs à venir. Mais vous pensez que c'est un jeu? Mais c'est qui? On n'encourage même pas les jeunes aujourd'hui à aller à l'école, à étudier, à engranger des diplômes. On ne les encourage pas. On encourage tout le monde à être aujourd'hui influenceur. Tout le monde aujourd'hui, ils sont en kaki, ils sont en tennis scolaire dans les lycées, ils sont en train de faire des vidéos. Dans l'intention, dans l'optique, dans l'intention, je ne sais pas, que ça soit viral. Willy Dombo va voir ça. Et puis il va les faire passer à la télé. Moulukoukou va voir ça. Et puis ils vont passer dans l'émission là. Tous ils font vidéo. Parce que c'est ça aujourd'hui. Pourtant, eux sont en train d'aller à l'école. Nous sommes contents de les voir. Parce que nous sommes en train de former les élites des cadres de demain. Faudrait qu'on les encourage dans ce sens-là. Pour leur dire, oubliez les histoires de vidéos. Chanter ou bien danser ou bien forcément là. Non. Tout le monde ne peut pas chanter. Tout le monde ne peut pas danser. Tout le monde ne peut pas être footballeur. On a besoin de vous là aussi. Les gars, allez à l'école. Tout le monde est devenu web humoriste. Tout le monde. Subitement. C'est-à-dire que
C'est ce qui est difficile de comprendre. Joe. Ah tiens, on n'a qu'à dire ça comment? Mais le, un discours pareil, les gens n'aiment pas écouter ce que je suis en train de dire. Mais pourtant, ça a tout son sens. Mais ça a tout son sens. Mais les gens n'aiment pas écouter ça, c'est bien même. Des ingénieurs, des médecins. Mais c'est de ça qu'on a besoin. Mais c'est avec ça qu'on gère un État. Les tontons ont dit qu'ils n'ont qu'à laisser la place à la nouvelle génération. Allez voir. Ils ont des agrégations, ils ont doctorat, hein? Ils ont des maîtrises appliquées en temps. Ils ont tout. Ils sont prêts. Quand pour être directeur de Bennett comme ça, pour être directeur de Bennett, il faut faire une formation. Mais les gens, ils sont prêts. Ils ne se sont pas levés matin quoi, parce qu'ils ont créé contenu. Parce que tu mets ta caméra, blablabla, 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 inutile. Et puis il y a 2000 personnes qui te regardent. Non. Non. On a besoin des médecins un jour. On a besoin de, mais on a besoin de cadres. Il faut les encourager dans ce sens-là. Les gens vont aller. Nous, là, c'est pas parce que pour nous, elle gâte que nous, on fait vidéo. On va encourager les enfants là encore à ça. Non. Non. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, même vous, aujourd'hui, j'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, parce qu'ils ont une page, ils ont de la visibilité. Pour vous, dans votre tête, ils sont plus intelligents que nous qui n'avons pas de la visibilité. C'est parce que vous, aujourd'hui, on a tellement donné de l'importance aux gens qui ont de la visibilité que pour vous, c'est des personnes, tu vois, vous les glorifiez tellement que vous, on perd de vue l'essentiel. Mais non, avoir de la visibilité, avoir beaucoup, un nombre important d'abonnés équivaudrait pas à dire que tu es. Non! On sait comment ils ont eu ces abonnés-là. Ah, lendemain. Et... Même nous qui créons les contenus, on amène souvent les sujets-là. Moi, voilà pourquoi, même quand je traite mes sujets, je suis conscient que. C'est pas parce que c'est moi qui ai amené le sujet que je maîtrise mieux le sujet que ceux qui me regardent. Moi, je fais beaucoup attention. Moi, je me dis, je fais comme Yves Hidero. C'est mon émission, c'est moi, il parle, je fais mon blablabla, il m'en va. Mais je suis conscient que si je me retrouve face à un débat avec certaines personnes ici, là, ils me mettent KO. Peut-être que le sujet même que j'ai amené là, je ne maîtrise pas le sujet mieux que certaines personnes qui me regardent. Donc, je n'ai pas cette prétention de croire que non, pareil, c'est moi qui parle. Non, moi, je sais que souvent, je blablate, je fais mon émission, puis je cours. Ici, là, souvent, il y a des professeurs, il y a des gens qui viennent nous suivre. Voilà. Même ici, là, je me trompe, on se trompe souvent. Voilà, on s'en fout. Moi, me tromper, ça, c'est pas mon truc. Mais je veux dire qu'il y a des sujets même qu'on amène qu'on ne maîtrise pas. Que peut-être Denise, que. Non. Mais il y a des gens là qui pensent que parce qu'ils ont de la visibilité, tu vois, c'est eux quoi. Parce que c'est ça. C'est les abonnés qui ont fait croire ça dans leur tête que, hé, là, ils sont plus importants. Non. Voilà pourquoi je vous dis, vous regardez les gens là. Non. Souvent, vous êtes plus intelligent. Même ce que je vous dis dans les coachings, là, les coachs que vous regardez, vous écoutez là. Souvent, il y a des femmes là. Vous êtes plus trois fois intelligentes que ces filles là. Que vous écoutez, qui vient vous dire, ma chérie, toi, là, tu as une suite logique trois fois développée que celle que tu appelles coach, ton exemple que tu écoutes là. Wallah, bilay. Réfléchis bien. Prends du recul, écoute là. Tu vas voir que tu es sept fois plus. Tu peux elle-même la coacher. Mais souvent, vous êtes complexé, vous, dans votre tête, parce qu'elles ont de la visibilité pour vous. Elles sont intelligentes que vous. Elles comprennent la vie que vous. Elles connaissent les rouages du foyer que vous. Mais c'est dommage. C'est bien dommage. Regardez Zach Moukassa comme ça, là. Depuis un moment, il attaque les femmes. Un homme, si une femme ne fait pas ça, moi, je ne l'écoute pas, ce mec-là. Mais souvent, quand il scroll, ça passe. Quand je l'écoute, il rigole. Mais depuis un moment, il ne fait que parler pour les hommes. Mais moi, je le. Qu'est-ce que Zach peut me dire? Qu'est-ce que Zach va m'enseigner? Zach, il parle. Tu vois, depuis un moment, il est devenu bizarre. Il attaque les musulmans. Oh non, un homme, une femme fait ça. Mais souvent, quand je l'écoute, tu as dit quoi à qui? Chacun gère sa vie, champion. Tu ne peux pas nous dire. Moi, si l'homme de mon mousseau, il gère, elle s'est gâtée, couille, cou. Moi, il est venu écouter Zach. Ou bien, peut-être, je suis un peu dans la merde. Je suis un peu, j'ai cherché Zach pour aller écouter Zach. Il allait écouter Zach. Mon gars, qu'est-ce qu'il a fait dans moi? Pourtant, quand je regarde et puis je lis les commentaires, je vois les garçons qui sont condamnés là-bas. Oh non, Zach, t'as parlé fort, comment? Ah, il y a un nom, quand c'est des saisies, hein?
Malika, sois salé depuis ta position. Pamlov, sois salé depuis ta position. On n'a qu'à se ressaisir. On n'a qu'à se ressaisir. Hein. Quand je regarde la jeunesse aujourd'hui, africaine, sur TikTok, depuis l'avènement de ce réseau-là, ça déconcentre tout le monde. J'ai dit, depuis TikTok est arrivé, ça déconcentre tout le monde. Ça déséquilibre les couples. Ça cassait des couples. Ça fait que des couples, ça a rendu encore plus fat des couples. Des couples même qui étaient en train de chercher à résoudre certains problèmes. TikTok est arrivé pour les briser encore deux fois. Ils sont dans la maison et puis chacun vit. Femme fait ses lives ici, elle monte ici, ce truc ici, garçon monte. TikTok est venu, il y a des TikTok aujourd'hui à disloquer des couples, mais tu ne peux pas comprendre. Ça a disloqué des couples, des vies de famille. Tu ne peux pas comprendre. Mais quand un réseau comme ça arrive à vous dire, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, quand ils parlent comme ça de TikTok, il y a des gens qui sont accros de ça. Ça les énerve. Gossan, sois salé depuis ta position. Ça les énerve. Et c'est bien dommage. Franchement, c'est trop dommage, quoi. Mais personne ne prend conscience depuis là. On crée des contenus même. On danse, on se remue, on fait les mouvements, on fait les challenges. On est là, on crée des contenus, on fait des lives, on parle des nannies. On parle de tout sauf l'essentiel. On parle de tout sauf l'essentiel. Va prendre les lives chinois. Faut aller voir les lives chinois, ceux même qui ont créé les mouvements. Allez voir les lives, allez voir les contenus. Souvent ils sont là-bas. Ils sont en train de fabriquer les composants électroniques là. Ils sont dans les petits coins souvent. Tu vois des enfants. Ils sont dans les blouses comme ça, ils sont dans les petites usines. Ils sont en train de fabriquer les composants électroniques des montres, des téléphones, des iPads, des mamans, des Ils sont en train de créer leur contenu. Tu vois les mousseaux qui sont en train de faire le mouvement dans les usines, dans les trucs. C'est motivateur, ça motive. C'est intéressant. Quand ils regardent les mouvements comme ça, mais c'est bien. Même quand tu les vois danser, c'est les danses classiques. Ça, on apprend parce que c'est bon même pour le développement humain. C'est bon à tous les niveaux de la vie. Mais allez voir les TikTok africains. Allez voir les TikTok africains. Tu vas voir. Curves, Curves, sois salé depuis ta position. Comment? Je ne sais pas ton nom là, c'est toujours compliqué. Marcus, sois salé depuis ta position.